monde. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite review sur un jeu que j'ai depuis très longtemps et que je ne me sers pas très souvent. Alors je vais vous expliquer pourquoi je ne m'en sers pas très souvent. Tout simplement parce que à l'époque, je l'avais acheté pour un petit Lenormand. Et quand je l'ai reçu, je me suis rendu compte que ce n'était pas un vrai petit Lenormand parce que toutes les cartes ne correspondent pas au petit Lenormand classique. Donc après, à vous de vous approprier les cartes, mais moi, je n'y suis pas arrivée au départ et je m'en sers autrement que comme petit Lenormand. Alors c'était le Electric Gypsy Card. Je l'avais trouvé sur le site Etsy, je crois. C'est Aquarius Wilbin qui vendait ça. Je ne l'avais pas payé très cher à l'époque. J'avais trouvé le dos sympa et toutes ces fleurs. Je trouvais ça joli. Et puis, bon, ben voilà, je vais vous le présenter. Ça peut vous plaire. Donc, je vous le présente. Donc, on a la carte du phénix. Donc, moi, je m'en servais comme cavalier. Mais vous voyez que la carte du cavalier n'y est pas à l'intérieur. Donc, voilà, moi, je l'avais pris celui-là pour le phénix. Les cartes ne sont pas numérotées. Donc, c'est moi qui ai mis des petits numéros sur les cartes. Là, on a le trèfle. Donc, le trèfle qui est bien en deux. Le bateau. Alors, c'est des petites cartes, hein, des petites cartes vraiment en forme, même un peu plus petite que poker. Là, la 4, c'est la roulotte pour la maison. Là, j'ai mis des violettes pour l'arbre, parce qu'il n'y a pas d'arbre, donc voilà, c'est les violettes pour l'arbre. Ici, on n'a pas de nuages, mais on a une pendule. Le serpent, le cercueil qui est représenté par la mort. J'aime beaucoup cette carte, je la trouve, j'aime bien cette représentation, je la trouve sympa. Le bouquet. Le couteau. Le miroir. Vous voyez que toutes les cartes ne sont pas, représentent pas vraiment le rider purement. Hein. Là, on retrouve bien les oiseaux. Là, on a la chouette. On a bien le renard. Là, on a une poignée de main qui ne correspond pas du tout à la carte que l'on pourrait retrouver dans le rider classique, hein, puisque normalement, on devrait avoir, après le renard, on a l'ours. L'étoile. Donc là, ici, on a, à la place de la cigogne, on a le papillon. En 18, le chien. En 19, la tour, alors là, qui est représentée par la couronne du roi. Ici, on a la colombe. Une bouteille cassée. La roue. Le poison. Le cœur qu'on retrouve. L'anneau. La main de Fatma qui porte chance. La lettre. L'homme. La femme. L'hélice. Elles sont très jolies, l'hélice. Le soleil par le tournesol. Alors le 32. Le 32, c'est la carte qui représente la lune. Parce que là, on voit là. Moi, je l'ai mis en tant que lune, puisqu'on voit derrière elle la clé. Les petits poissons. L'encre. Et la 36, le cœur brisé. Et voilà, donc je vous ai présenté ce petit jeu. Alors moi, je ne m'en sers pas comme le Normand, je m'en sers comme un petit oracle en fin de compte.
Je l'interprète, voilà, de temps en temps, juste pour le plaisir, comme ça, voilà. Bon, j'espère que cette petite review vous a fait plaisir, que ça fait une petite review supplémentaire sur peut-être un petit jeu qui n'est pas trop cher et que vous pouvez acquérir facilement. Voilà, bisous à tous, bye bye.